pour le numéro 136 d'HP Hour. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, comme ça se lit actuellement sur mon visage. Dans quelques instants, Claire me rejoindra, Béatrice également, pour partager avec vous leur chronique. Et puis cette semaine, nous recevons notre invité qui est François Alquier, venu nous présenter l'aventure Starmania. Vous verrez, un ouvrage tout à fait intéressant parce que on croit savoir beaucoup de choses sur Starmania et en fait on en apprend énormément dans cet album, même, je devrais dire, parce que c'est un très joli objet, vous verrez. On se retrouve donc pour cette émission HP Hour. Dans quelques instants, nous recevrons François Alquier pour nous présenter l'aventure Starmania. Mais d'ici là, j'accueille mon amie Claire qui vient nous parler, vous le savez, chaque semaine d'une chronique pour les jeunes mamans, jeunes et moins jeunes hein, d'ailleurs. De quoi allons-nous parler? Je sens la petite activité qui pointe. C'est ça, c'est une petite activité pour vos enfants à partir de 18 mois environ. Après... comme j'ai tendance à le dire et je le répéterai, chaque enfant est différent. Donc on adapte en fonction de l'âge et du développement de chaque enfant. C'est une petite activité qui est toute simple et qui ne nécessite pas grand chose. Vous avez besoin de carton, donc vous récupérez une boîte à chaussures, j'ai envie de dire, ce que vous avez à la maison, pas d'importance. Vous récupérez des pinces à linge en bois, parce qu'en plastique ça ne va pas le faire. Alors moi j'ai pris des marqueurs de couleur. C'est des marqueurs permanents? Ouais. Ok. Vous prenez de la gouache si vous avez ce que vous avez à la maison, pareil. Et le but du jeu, ça va être de travailler sur les couleurs avec votre enfant. Le principe, c'est de prendre les couleurs principales qu'on travaille souvent chez les tout-petits. Donc les couleurs primaires? Pas forcément, non, parce que le vert, ça n'a pas une. Non, pas une couleur primaire. Mais souvent, c'est les quatre couleurs qu'on travaille en premier. D'accord, très bien. Donc le rouge, le bleu, le vert, le jaune. Vous le faites en français ou en anglais, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance. Vous séparez votre petit... support en 4, puisque vous avez 4 couleurs, et vous coloriez vos 4 parties, ce qui donne ceci. D'accord. Tout simple. Et après, vous faites la même chose avec vos pinces à linge. C'est-à-dire que vos pinces à linge, qui étaient comme ça, en fait, vous allez colorier juste la base. Ça sert à rien de colorier la pince à linge, quoi. Et votre enfant, après, le but du jeu, ça va être de lui faire. Donc, c'est là on travaille l'appréhension. Motricité fine. Et le but du jeu, c'est que votre enfant, en fait, il accroche des pinces à linge sur la bonne couleur. C'est tout simple, hein. C'est déjà beaucoup. Et à 18 mois, ils arrivent à avoir l'appréhension nécessaire pour ouvrir et fermer la... Ça, ils peuvent le faire, ouais. Donc, effectivement, l'apprentissage des couleurs. Évidemment, j'imagine qu'on peut faire plusieurs supports après avec des couleurs différentes et rajouter des couleurs au fur et à mesure. Donc, après, on peut complexifier la chose. Et là, vous voyez, j'en ai fait un avec... 6 parties différentes. Donc on peut repartir avec 4 couleurs de base et rajouter d'autres, du orange, du violet, du marron, ce que vous voulez, quoi. Et puis on reste dans des valeurs qui sont chères à l'émission, c'est-à-dire de recyclage, de fabriquer un jeu simple pour son enfant. C'est tout simple, ça prend pas longtemps. Parfait. Merci beaucoup, Claire. C'est resté lui aussi un grand enfant. Il s'agit de François. François Alquier, que l'on reçoit cette semaine. Je remontre l'album, l'aventure Starmania qui vient de nous présenter et qui est sorti il y a peu de temps, il y a 2 mois, si je ne m'abuse. Oui, c'était le 12 octobre dernier. Je le disais tout à l'heure, c'est un album parce que c'est un ouvrage d'une bonne qualité avec des photos... magnifiques et souvent inédites. Oui. Parce que beaucoup proviennent des collections personnelles des gens qui ont joué dans Starmania. Alors, c'était ma question. Comment vous vous êtes procuré les photos. Il y a des photos d'agence, évidemment. Hein, on en fait comme tout le monde quand il y a des beaux livres en création. Mais moi, j'ai interviewé à peu près une quarantaine de personnes ayant participé à Starmania. Et évidemment, quand je les rencontrais, c'était souvent chez eux, dans l'intimité, je leur demandais de me montrer les photos. Je savais où je voulais en venir. Je voulais aussi qu'ils m'en prêtent des inédites, donc des photos qu'on n'a jamais vues nulle part ailleurs. Et j'en ai donc beaucoup récupérées. Elles sont dans cet album. Oui, il faut le dire parce que c'est un album très, très illustré. Effectivement, avec des clichés qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Ils les ont prêtés sans aucun souci. Ah non, j'ai pas dit ça. C'est-à-dire qu'il a fallu que je parlemente, que je les vois souvent, qu'ils aient un peu confiance en moi. Hein. Il y a une question de s'apprivoiser parce qu'ils se méfiaient un petit peu, ils ne savaient pas trop ce que ça allait donner. Et j'ai lutté parfois, puis d'autres non,
spontanément. Pourquoi ce choix de Starmania cette fois-ci? Là, c'est vraiment une coïncidence qui fait que j'ai écrit ce livre, mais pour moi, c'était une heureuse coïncidence parce que j'ai acheté le premier album bleu de 78, j'avais 11 ans, parce qu'il y avait Balavoine dedans, et j'étais fan de Balavoine déjà à 11 ans, donc j'ai ingurgité l'album de Starmania, évidemment sans comprendre quoi que ce soit, parce qu'à 11 ans, évidemment. Toutes les considérations et l'histoire qui est quand même assez dure, hein. Oui, on y reviendra. Je ne la saisissais pas, et j'ai appris à aimer, parce que j'ai écouté cet album longtemps, j'ai vu quelques versions du spectacle, et j'ai toujours adoré ça, je suis un fou de Starmania, donc c'est vraiment un livre qui a été fait par un passionné du sujet qu'il a traité. Ouais. Quoi. Alors, ce qu'il faudrait rappeler, on les ferait un tout petit peu là dans ce début d'entretien, c'est peut-être rappeler aux gens qui nous regardent l'histoire de Starmania. C'est compliqué parce qu'il y a quatre histoires dedans, alors il y a des terroristes qui enlèvent une animatrice télévisée, il y a un milliardaire qui veut devenir président, il y a l'histoire d'une barwoman, Marie-Jeanne, qui est amoureuse d'un homme qui est homosexuel, donc il y a plein de sujets traités qu'on ne traitait pas à l'époque, hein, puisque l'homosexualité, on n'en parlait pas, la rébellion face à l'autorité, ce n'était pas des sujets évoqués, et pas forcément vendeur non plus. Hein. Non, pas du c'était tout. Culotté. Il faut rappeler qu'à l'époque, c'était très moderne. Enfin, c'était pour l'époque, c'était même avant-gardiste. Ben, maintenant, on dit que les paroles de Plamondon étaient prophétiques, donc j'en parle beaucoup de ça, parce qu'elles n'étaient pas si prophétiques que ça, parce qu'il y avait quand même beaucoup de mouvements terroristes à l'époque. Hein. Il y avait la bande Abader, il y avait Aldo Moro qui avait été enlevé à l'époque, donc il était quand même un petit peu influencé, je pense, bien par sûr. Tout ce qui se passait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est démultiplié, donc quand on entend les paroles, c'est absolument phénoménal ce qu'elles collent à la réalité d'aujourd'hui. Et par exemple, il y a Zéro Janvier qui est un milliardaire qui veut devenir président, qui habite dans des tours. Voilà, c'est Trump. Voilà, c'est exactement. Mais il y a 20 ans, on disait que c'était. Oui. Il y a aussi l'avènement des machines. C'est peut-être un peu. Mais enfin, le fait que le monde puisse être dirigé par des machines. Enfin, oui, voilà, il y a ça. Aussi, il y a aussi la Starmania, qui est le sujet principal. Vedette de télévision facilement en allant. Tout le monde rêve de gloire et de la télé, de la célébrité facile. Et déjà, Luc Plamondon, qui lui habitait au Québec, donc dans cet endroit-là du monde, il y avait, je sais pas, 146 chaînes. Et donc il avait compris que la télé allait prendre le pas sur tout et que tout le monde allait vouloir devenir une star de la télévision de manière très facile. Quoi. Il évoque ça, et en 2017, on est complètement dans le sujet. On est en plein dedans, effectivement. Alors, on apprend aussi... il y a une rétrospective de toutes les différentes versions, parce que ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on n'a pas forcément en tête. Sauf les passionnés. voilà. Donc, mais moi, c'est vrai que j'étais pas au fait des différentes versions qu'il y a eu et de leur évolution. Vous pouvez nous en parler Alors, la différence entre chacune d'elles aussi. Alors, il y a la version 79 qui était version originale. On peut rappeler avec qui, parce qu'on sait aussi, on l'a oublié, les plus jeunes d'entre nous, mais il y avait vraiment. France Gall en faisait partie. Diane Dufresne, évidemment Daniel Balavoine qui a campé le rôle de Johnny Roquefort, qui a lancé encore plus sa carrière. Nanette Workman, Fabienne Thibault, il y avait du beau monde, quoi. Hein. C'est ma version préférée parce que c'est la première que j'ai découverte, évidemment. C'est souvent comme ça. Donc ça, c'est la version qui a été mise en scène par un monsieur qui était une grande vedette des comédies musicales américaines, et c'était pas tout à fait la version qu'espéraient Michel Berger et Luc Plamondon. Donc 10 ans plus tard, en 1988, ils ont mis en scène la deuxième version, qui est celle que préfère beaucoup de monde, avec René Hanson, Moran, c'était la version de 88. Et puis après, il y a une troisième version en 1993 mis en scène par un Canadien qui s'appelle Lewis Ferret, qui a duré quasiment 10 ans et qui est pourtant la version la plus décriée, la plus spéciale. Toi qui as vu un petit peu l'album, tu as vu les costumes qu'il y avait. Voilà, les costumes, c'est très kitsch. C'était la version un peu la plus glauque, pesante, même s'il y avait beaucoup d'acrobates. Par contre, c'était la version la plus spectaculaire. Mais qui a plu puisque ça a cartonné pendant quand même pas mal de temps. Enfin, quand je dis 10 ans, vers les 3-4 dernières années, ça commence à devenir un grand n'importe quoi, comme me témoigne celui qui jouait Ziggy, Franck Cherbourne. Ouais. Il dit qu'il fallait s'arrêter quand même bien avant. Tu vois, donc je raconte vraiment tout ce qui s'est passé dans les coulisses aussi.
parce que ça c'est important, je crois que les gens ne savent pas exactement comment non, ça mais s'est pas passé. Tout, ouais, c'est une histoire humaine, c'est ça qui est intéressant. Ah, absolument, c'est ce qu'on découvre en parcourant le livre. C'est des grosses équipes, donc il y a forcément ou des problèmes ou des amours qui se créent. Enfin bon, je raconte tout ça. Quoi. Oui, ce que en tant que spectateur, quand on assiste au spectacle, et pour ceux qu'on a eu l'occasion de voir, c'est ce qu'on mesure pas forcément. Voilà. On sait que les comédies musicales sont encore à l'ordre du jour parce qu'il y en a encore là qui fonctionnent. Est-ce que vous savez si il pourrait y avoir une nouvelle version de Starmania? D'abord, ouais. ça serait vraiment dommage qu'il n'y en ait pas en 2018 parce qu'on va fêter les 40 ans en 2018. Absolument. Donc ce serait vraiment un gros loupé. Ce qui est peut-être une raison de la sortie du bouquin, hein, si c'est l'approche des 40 ans. C'est une des raisons. Oui, évidemment. Voilà. Nous, on le sort un petit peu parce qu'on voudrait que ce soit un beau cadeau de Noël. J'en profite pour faire de la pub. Hein, pour Noël, je trouve que c'est un beau c'est cadeau. C'est dans 15 jours, les amis. Vous pouvez vous procurer. Mais alors, le problème, c'est que France Gall, tellement déçu par la version 93, a vraiment décidé de ne plus accepter que personne monte Starmania. Parce qu'actuellement, c'est elle qui possède le... C'est l'ayant droit avec son fils. Ouais. De toute l'œuvre de Michel Berger, et même par rapport à Luc Plamondon peut rien faire sans l'accord de France Gall et de son fils, hein. J'insiste, ouais. Parce que c'est les deux ayants droit. Il paraîtrait, alors c'est pas gravé dans le marbre, hein, j'ai pas la preuve de ça, qu'elle a accepté que Luc Plamondon fasse une nouvelle version. Il paraît que les castings sont déjà, déjà en train de se faire. Il a déclaré dans un journal qu'il aimerait qu'il y ait la moitié des vedettes et la moitié des jeunes d'inconnus total. Voilà, bon, et franchement, je mets pas ma main au feu que ça se fasse, mais je pense que ça serait une grosse erreur que ça ne se fasse pas. Mmh. Surtout pour les jeunes générations, parce que là, ça fait quand même quelques années qu'il n'y a pas eu de nouvelles représentations du spectacle Starmania. On en parlait un petit peu en coulisses de cette émission. C'est vrai que dans toutes les émissions de télécrochet qu'on voit actuellement, il n'y a jamais une session sans qu'il y ait un jeune qui reprenne une chanson de Starmania, sans savoir vraiment que ça vient de Starmania et toute l'histoire. Ce qui est fou dans Starmania, c'est que, par exemple, on me demande quelles sont les vedettes de Starmania dans les deux dernières versions, 88 et 93. On est incapable de le dire. On peut dire Moran, parce que c'est Moran seul. Oui. Et Renaud Hanson, mais déjà une échelle un peu moins importante. En fait, les chansons sont tellement efficaces et bonnes et irréprochables qu'elles dépassent les interprètes complètement. Les vedettes, ce sont les chansons. C'est, Starmania, c'est un karaoké géant. Il n'y a que des succès. C'est un truc unique dans le monde. Il y a, je ne sais pas, à peu près 20 chansons, 20 tubes. Et moi, pendant un an d'enquête, j'ai rencontré des tas de gens et des amis ou des amis d'amis qui me disaient « Sur quoi tu travailles ?» Je dis « Starmania. Oh, j'adore Starmania. » J'ai l'impression que toute la France aime Starmania. Tu vois, c'est un peu... Oui, que c'est assez unanime. Que c'est assez unanime, quoi. Et alors, justement, dans tout ce parcours de recherche, d'enquête, de rencontre, est-ce qu'il y a une anecdote ou une rencontre en particulier qui vous a marqué et vraiment, ou quelque chose que vous ayez appris, vous, sur Starmania? J'en ai appris plein, parce que les coulisses, on ne les connaît pas. Ouais. Moi, j'ai rencontré, par exemple, dans la version 88, j'ai eu toute la distribution, sans exception. Donc, même les Québécois au téléphone, enfin, j'ai vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'a ému, c'est d'avoir rencontré Bernard de Bosson. Alors, ça dit rien à personne. Il a été pendant 17 ans le directeur de Warner, et c'est lui qui a donné à Michel Berger les sous pour faire Starmania, et sans avoir écouté une note de musique. Confiance absolue en son poulain, Michel Berger, qui était directeur artistique de chez Warner. Et voilà, c'est passé. Et sans lui, donc lui, il a connu le début de l'aventure, il a été très présent. Sans lui, Starmania n'aurait jamais existé. Donc, passer une après-midi chez ce monsieur et qui nous raconte un petit peu la jeunesse de tout ça, c'était vraiment formidable. Après, évidemment, moi j'ai rencontré tellement d'artistes ayant participé à Starmania que ça me touchait parce que c'est une Madeleine de Proust dans ma vie. Donc, forcément, j'étais toujours un peu ému. Il vous reste donc 15 jours pour vous procurer l'aventure Starmania, enfin, si vous voulez l'offrir pour Noël. Sinon, évidemment, il est en vente dans toutes les bonnes librairies. Au-delà des fêtes, bien évidemment. Merci beaucoup François d'être venu nous rendre visite. Et on reste dans le monde des livres puisqu'on accueille notre amie et chroniqueuse Béa qui, vous le savez, chaque semaine vient nous parler d'un livre qu'elle a apprécié ou pas d'ailleurs. Alors, bienvenue. Merci, bonjour. Comment ça va depuis la semaine dernière? Ça va très très bien. Alors, un nouveau bouquin cette semaine, de quoi s'agit-il? Oui. Alors, ce livre, c'est Votre commande a bien été expédiée de Nathalie Peyrebonne. Voilà, alors c'est un titre qui est un peu étrange, oui. On peut le dire, qui attise la curiosité, en tout cas la mienne. Et en fait, j'ai beaucoup aimé cette histoire, je vais essayer de vous en donner l'envie, enfin en tout cas de vous donner envie de la découvrir.
Nathalie Peyrebonne, elle est professeure de littérature espagnole, elle est traductrice et journaliste littéraire. Et c'est son troisième roman. D'accord. L'histoire commence quand Eugène, qui est comptable au Pays Basque, commande sur Internet une cocotte en fonte rouge. Jusque-là, tout va bien, on connaît cette situation, on a tous certainement commandé des choses sur Internet. Mais le problème, c'est que cette cocotte n'arrive pas. Alors Eugène est très contrarié, il envoie une première réclamation par mail au service clientèle, puis une autre, une autre, une autre, bon. Et puis finalement, il se crée un échange de courriels avec la conseillère clientèle qui lui répond, puisque c'est toujours la même, il en a une attitrée. Et finalement, cet échange devient un peu plus intime, et ils sortent de la conversation dédiée à la fameuse cocotte pour aller sur des chemins un peu plus privés, personnels. Voilà, et on finit par apprendre qu'elle s'appelle Lucia, qu'elle habite les côtes normandes. Et on découvre dans leurs échanges leur lieu de vie respectif. Lui parle du Pays Basque, elle lui parle des côtes normandes. Pendant ce temps, en fil rouge de cette histoire, de ce lien qui commence à se créer, on suit les aventures d'une nouvelle émission de télé-réalité qui met en scène des seniors. Ça s'appelle Senior Story. Alors c'est incroyable, c'est des drôles de vieux qui sont sur un plateau, comme on a tous connu par le passé Love Story ou je ne sais quelle autre émission ou de télé-réalité. Et ils font souffler un vent de révolte sur le plateau, c'est-à-dire qu'ils se rebellent, ils suivent pas du tout ce qui est prévu par la production. Ils invitent des gens, ils organisent des débats militants, ils révolutionnent tout le système de l'émission qui n'est pas du tout conçu pour ça à la base. Et finalement, le producteur veut les renvoyer dans leur pénate, sauf que il peut pas le faire parce qu'ils rencontrent un succès phénoménal auprès du public. Les audiences faisant la loi du marché, on les laisse. C'est un peu comme chez nous, quoi. Voilà, on les laisse faire leur numéro et ça devient un véritable phénomène de société. Tout le monde regarde cette émission, tout le monde en parle au marché, au café, à l'école, à la machine à café. Enfin... Et alors, quel est le lien entre la rencontre des deux? Parce que moi, ça y est, tu as éveillé ma curiosité. C'est un fil rouge, en fait. Mais ces deux histoires parallèles, il y a un moment où... Non, ça ne se croise pas, c'est simplement que ça fait partie. Ça entre dans le quotidien de Eugène et de Lucia. Et dans le quotidien, des milliers de gens qui suivent l'émission. Ça va prendre un sens après. Parce que dans ce livre, tout comme dans le livre de Didier Van Kovelaert dont j'avais parlé précédemment. Oui, la semaine dernière. Voilà, il y a irruption du fantastique. À un moment où on ne s'y attend pas du tout, en fait, le monde, la Terre, se met à bugger. Se met à avoir des bugs et arrête de tourner. Le temps s'arrête. Alors ça dure quelques secondes au départ, puis ça se répercute, ça se réitère, parfois c'est 15 secondes, parfois c'est plus long, et en fait c'est comme si le cours du temps, le cours de la vie déraillait. La réalité se grippe, ça se met hors circuit, et ça crée des situations étranges, tous les gens sont confrontés à ça. Alors ils essaient de s'y adapter, plus ou moins, chacun trouve des parades, mais ça fait quand même peur. Donc, c'est à la faveur de ces bugs que Lucia décide d'aller rejoindre Eugène au Pays Basque, puisqu'en fait, les gens ne vont plus travailler. La vie, en fait, s'est mise en quelque sorte entre parenthèses. Hein. Et donc, elle quitte la Normandie pour aller rejoindre Eugène dans son Pays Basque avec ses enfants. Va naître cette idylle dans un contexte de fin de monde. De fin de monde. Et ce livre, il pose la question de à quoi peut bien ressembler la vie à la lisière de la fin du monde, et est-ce qu'on peut encore changer les choses, et est-ce qu'il faut attendre en réalité d'être en danger, de pas avoir d'autre choix, pour changer et pour prendre des décisions et aller de l'avant. Et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre. Alors il y a beaucoup d'humour et d'esprit, le style est très agréable, c'est très fluide à lire. Et voilà, ça nous interroge sur le sens profond de la vie et sur nos priorités qui sont peut-être pas toujours les bonnes. Ça m'a donné envie. Ouais.
Donc, on vous le représente. Nathalie Perrebonne, votre commande a bien été expédiée. Pour le coup, c'est un titre qui donne envie aussi. Parce que c'est un titre qui est curieux. Donc, on a envie de... Parfois, on a parlé de titres d'autres ouvrages qui donnent plus ou moins envie. Mais celui-là en fait partie. Donc, on vous le conseille. En tout cas, c'est le conseil de Béa cette semaine. Je vous le conseille. Mais merci beaucoup, Béa. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Claire pour ta chronique. Merci encore Béa. Puis on se retrouve la semaine prochaine avec les deux mêmes chroniqueuses. D'ailleurs, on ne se quitte plus, les amis. Ouais, et on recevra une romancière, Léa Viller, qui viendra nous présenter son dernier ouvrage que Béa a lu d'ailleurs. Et ce sera donc ta première chronique face à l'auteur. Absolument. Voilà, un grand moment qui ne... C'est ça, un grand moment qu'il ne faudra pas rater. Ce sera la semaine prochaine. Merci à tous. Bonne semaine et à lundi prochain. Salut.